your habit. I felt something strange. What is your name? Leon. I want to talk to you. Bonjour à tous, c'est Fox, j'espère que vous allez bien. Voici une nouvelle vidéo de présentation que je fais en ce début de semaine, sachant que j'en aurai encore au moins une à faire d'unboxing de quelque chose que j'attends avec grande impatience. Alors j'ai encore disposé cette serviette sur la table, je me suis dit je vais la changer de côté, je vais la changer de sens. Eh bien c'est encore pire, on voit encore mieux, encore plus de relief. Alors désolé aux âmes prudes, je vais commencer direct avec, pour bien... On va rester dans le sulfureux avec, enfin sulfureux si on veut, parce que ce jeu Petit Flirt entre amis sur PS3 que j'ai eu pour 1€ sur un site marchand, eh bien c'est pas du tout, il est sous blister, c'est quand même un intérêt, même si bon, il n'y a pas tellement de, c'est vrai que c'est un peu idiot de garder un jeu sous blister, mais je n'ai pas le PlayStation Move, alors je vais garder comme ça en attendant. Et puis on verra par la suite. C'est un jeu, alors j'ai regardé un peu les critiques, il est franchement pas top. Il est même pas du tout, enfin voilà, il est assez mensonger parce qu'il n'y a rien du tout de choquant ou de tendancieux. C'est juste le titre. Je peux penser au Petit Meurtre entre amis d'Agatha Christie, la série, etc. Et donc vous aurez besoin de ça. Le PlayStation Move, moins interdit au moins de 12 ans, accord parental souhaitable. Rien de particulier, mais je l'ai pris pour le prix, c'est le cas de le dire, 1€. Quelques achats faits dans un cache, je vais aller assez vite parce que ce n'est pas fantastique, c'est des achats de cache, mais je les ai pris quand même parce que je trouvais que c'était plutôt bien pour ma collection. Un Bugs Bunny, Lola Bunny sur Nintendo Game Boy. Alors je me demande pourquoi les certaines cartouches sont noires. Si vous pouvez répondre à mon interrogation, me dire pourquoi. Est-ce que c'est... Alors je pensais que c'est parce que c'était des jeux Game Boy Color avec une colorisation, quelque chose. Et en fait, non. Alors, je voudrais bien savoir pourquoi il y a des jeux Game Boy qui sont noirs. Moi, je trouve ça... Il y avait un vendeur, il savait pas du tout non plus. Donc, voilà, je lui ai demandé. Il savait pas pourquoi. Il dit que c'est joli, ok, je suis d'accord avec toi. Bugs Bunny, Opération Carotte, pour 5€, 4,99€. Un Harry Potter sur PlayStation. Je l'ai pris surtout pour la boîte, parce qu'elle est en super bêta. Il y a tout à l'intérieur. Harry Potter, j'ai déjà sur PS... La Chambre des Secrets, j'ai déjà sur PS2. Best of Infogrames, premier manager, un jeu de gestion de foot. Ouais, ça me rappelle un jeu qu'il y avait avec Giroud. Je sais pas si vous voulez ça. Un des premiers jeux avec Giroud qui faisait le coaching dans un jeu de coaching comme ça. Je sais même pas si je vais l'essayer. Enfin, c'est pour la boîte encore une fois. 1,99€. Plus intéressant, The Terminator sur Master System. Avec Schwarzy, c'est un peu mouillé, avec Schwarzy en couverture, complet, voilà, il y a des traces de feuilles, complet, alors je ne vais même pas l'ouvrir, il va falloir que j'essuie tout ça, 3€, et avec la languette, une boîte en état super, je vais l'essayer celui-ci, un jeu d'action bien sûr, un Sonic, parce que j'ai la version Genesis. Là, je l'ai pris en français. Alors, je vais la nettoyer. Je l'ai pris en français, complet. Je vais vous montrer vite fait. Voilà, complet. Notice en bon état. Il y en avait un autre qui était sans notice et en mauvais état. Il était presque à 3€ près. C'était le même prix. Donc, j'ai pris la... Il manque la boîte complète. Il manque juste la languette. Un Sonic, bien rétro. Et par conséquent, tout cela pour 24€ et des poussières. Il m'a fait un prix à 22€ pour ces 5 jeux. C'est correct. C'est correct sans plus. Mais je suis quand même content. On enchaîne tout de suite par les bourses aux jouets que j'ai faites hier. J'en ai fait 8. Il y en avait 12, une douzaine dans la région. J'ai vraiment été gâté parce que j'ai trouvé pas mal de choses. Je vais vous dire plus que dans les vides greniers. Parce que c'est exclusivement des jouets et il y a des jeux.
Certes, il n'y a pas de rétro, il n'y a pas de jeux 16 bits ou des jeux vraiment anciens. Ça commence à partir de la DS, ça commence à partir de la GameCube, ça commence à partir des années 2000. Mais on trouve des putains de bons jeux quand même. Je vais vous montrer ça tout de suite. Pour des prix très corrects. Tout d'abord, enfin c'est pas dans l'ordre, hein, je ne vous donne pas ça dans l'ordre. Ça me vient comme ça sous la main. Je vais d'abord vous montrer le guide officiel Pokémon, version noire, version blanche. Un tout petit peu abîmé, légèrement corné, mais vraiment pas grand chose. Il n'y a pas le poster, mais pour le prix 2 €, ben je me suis dit, étant donné que j'ai pas mal de jeux Pokémon maintenant sur DS, c'est bon à prendre. Justement, j'ai pris Pokémon Ranger sur Nintendo DS, Ranger Nuit sur Almia. Alors, un énième jeu de Pokémon, vous allez me dire, je sais même pas s'il s'inscrit vraiment dans la lignée des jeux Pokémon, c'est peut-être une sorte de spin-off, j'en sais rien, vous me direz, ou peut-être plus récent. 2 €. Alors, à l'intérieur, il y a d'autres jeux Pokémon en loose. Regardez, alors, il n'était pas avec, c'était un autre stand. C'était une autre personne, une femme très gentille, qui vendait très gentille, mais qui s'en foutait un petit peu. Donc, au départ, elle m'a proposé 5 € le jeu, et finalement, ça s'est joué à 5 € les trois. C'est quand même le Pokémon Soul Silver, le Pokémon version blanche et le Pokémon or, carrément. Je les ai pas encore testés, j'espère qu'ils fonctionnent, je pense que oui. C'était posé sur la table comme ça, sur vraiment pas très visible. Et c'est chouette. 3 jeux Pokémon en loose. On se retrouve parce que la vidéo a coupé, la batterie s'est déchargée complètement, donc j'ai dû, c'est pénible, j'ai dû remettre un peu de jus dans la PN. Alors je parlais de ces jeux, ouais, 3 jeux DS en loose, excellent, pour 5 € les 3, je suis vraiment content, c'est des bons petits jeux que je vais essayer. J'ai trouvé 2 jeux PS2 que j'ai pris parce que franchement à 0,50, à 50 centimes et à 1 €, un Naruto Ultimate Ninja 5, je crois que je l'avais déjà, il m'a l'air en meilleur état. Il faudra que je vérifie. Et un Bassmaster Fishing, un jeu de pêche. Jamais essayé ce style de jeu. C'est assez rigolo. Avec des. Vraiment du gros poisson, c'est le cas de le dire. Ensuite, on a Gran Turismo 2 sur PlayStation 1 et Crazy Taxi. Je ne vais pas les ouvrir, ils sont complets. 3 € les deux. Très bien. Encore dans une bourse aux jouets. Pas loin de chez moi, c'est cool. Un lot assez étrange, hétéroclite, avec plein de choses. Vous voyez, il y a des notices, il y a la notice, non, la notice de, non, ça, c'est les jeux sont là. Il y a E.T., 20e anniversaire, Dino Crisis, super content. Des jaquettes arrière, malheureusement, c'est pas les jaquettes avant, et en plus, elles sont dégueulasses. Urban Chaos, enfin, quelques jeux, un jeu de NHL 99. La notice de Crash Bash, Platinum. Et celle de la jaquette de Tomb Raider, on va y arriver. Non, c'est la notice de Tomb Raider. L'arrière de Dino Crisis, bien dégueu. Mais par contre, le jeu est là. Le jeu est là de Dino Crisis, je suis content. Avec le CD nickel. Et Rayman, surtout Rayman complet. Alors, il y a eu une petite casse. Et du coup, j'ai fait tomber le prix de 2 à 1 €. Avec les codes de Rayman. Super, parce que moi les Rayman je connais pas, j'ai pas honte de le dire, je ne connais pas cette série, je n'y ai jamais joué parce que je suis pas à la base un gros fan de jeux de plateforme. Bien entendu, je connais quand même la licence et ça tombe bien parce que j'ai vraiment trouvé beaucoup de Rayman hier. Attendez, j'ai pas le. Il me manque un jeu, c'est le E.T. C'est le E.T. qui est là en boîtier, joli boîtier. Je changerai, j'essaierai de mettre des boîtes. Officielle de vraie boîte PlayStation 1. Nous arrivons maintenant aux 2 derniers lots que j'ai trouvés et ce sont les plus beaux lots. Je suis vraiment ravi, mais ravi, heureux d'avoir trouvé des jeux sur Nintendo GameCube. Burnout, 1 €. Il n'est pas complet, il manque la notice. Mais surtout, alors on va d'abord présenter celui-ci, Donald Quackout, que j'ai pris pour 50 centimes parce que dans un état déplorable, même pas de notice, la petite unité est bien rayée, bien dégueulasse. Enfin, je teste pour voir s'il fonctionne. 50 centimes, boîte bien abîmée.
Et surtout, alors voilà, Super Smash Bros. Super Smash Bros. Melee en platinum, choix des joueurs, je veux dire, et Mario Kart Double Dash. Le boîtier est rouge, je pense que c'est plutôt le boîtier du Super Mario sur GameCube. Parce que j'en ai un autre de Mario Kart et c'est pas du tout cette boîte rouge. Vous me direz si vous voulez. Et vraiment, avec la super notice de Super Smash Bros, c'est quand même des jeux qui cotent à 15 ou 20 euros. Et je les ai eu pour 1 euro. Mais surtout, voilà, je vais être content d'essayer Super Smash Bros Melee parce que avec la nouvelle version qui est sortie sur 3DS, eh bien, ça fait plaisir de se replonger dans ce Super Smash Bros d'origine, on va dire. Et voici le mégalo, le super lot. C'était une jeune femme blonde qui vendait des jeux. Elle avait plusieurs consoles, jeux de différentes consoles, des Wii qu'elle vendait 8 euros et des jeux PlayStation 2 qu'elle vendait 2 euros. Mais quand j'ai vu la gueule des jeux, la gueule des titres, c'était pas des jeux de foot. Bon, je vais arrêter avec le suspense à 2 balles. GTA 3, bon ça, il n'est pas en platinum, il est bien complet. Les Simpsons, le jeu, rien de spécial, mais j'ai entendu dire que c'était un très bon jeu. Le Dragon Ball Z, Budokai, Tenkaichi 2, ils sont complets, je n'ouvre pas la notice à chaque fois. Rayman contre les lapins crétins, vous voyez, encore du Rayman. Rayman 3, avec la couverture holographique. Voilà. Et il n'est pas complet, Rayman 3. C'est dommage. Et surtout, Mortal Kombat Shaolin Monks. Un jeu rare, complet, en excellent état. Legacy of Kain Défiance. C'est vraiment rare de voir ce... La notice est un petit peu abîmée. Rare de voir un jeu comme ça dans les bacs PlayStation 2. Tadam, voilà la grosse prise, la plus belle pièce. Castlevania, je suis vraiment super heureux d'avoir ce jeu sur PlayStation 2. Castlevania, en état, mais comme neuf. Comme neuf, j'ai essayé hier soir, ce jeu est fantastique. Enfin, il marque le tournant entre vraiment les épisodes 2D. Là, c'était parmi les premiers, je crois que c'est le premier épisode en 3D, au gameplay moderne, comme il y a pris sur PlayStation 3. J'adhère un peu moins, c'est sûr, notamment au niveau des musiques que je trouve moins bonnes, mais l'ambiance peut-être moins, je sais pas, c'est moins épique. Mais tout de même, Castlevania, alors il y a la version américaine où il y a marqué Lament of Innocence sur la tranche. Là, Castlevania, quand on voit ça dans le bac, comme ça, Castlevania rangé à côté des autres, eh ben, on hallucine juste plutôt deux fois qu'une. C'est vraiment top, quoi. Konami, Castlevania, que dire d'autre? C'est super. Voilà, les bourses aux jouets remontent à donf dans mon estime là, avec ce magnifique lot que j'ai négocié en fin de compte pour 13 euros. 13 euros au lieu de 16. Avec le Castlevania, le Mortal Kombat, les deux Rayman. Du tout bon. Nous arrivons au terme de cette vidéo qui j'espère ne sera pas trop longue et plutôt j'espère agréable pour vous à regarder. Je finis en montrant les jeux auxquels je joue en ce moment. J'ai commencé le Tomb Raider sur PlayStation 3. Vous voyez, le CD n'est pas dedans. Enfin, le DVD. Parce que je suis en train de progresser avec Lara. Et j'adore. Tout simplement, j'adore. Il n'est pas très difficile, c'est vrai. Mais moi, ça me va très bien parce que je suis pas un joueur doté d'un niveau exceptionnel. Je l'avoue sans problème. Et, c'est au niveau des cinématiques, au niveau de... Moi, je trouve que l'histoire, certes, est classique. On arrive sur une île. Bon, voilà, c'est un prétexte juste pour avoir un jeu de Tomb Raider, tout simplement. Il y a quelques petites énigmes, apparemment, pas très difficiles non plus. Mais j'adore surtout les cinématiques, la mise en scène et le personnage de Lara, qui est fabuleux, tout simplement. Et je joue toujours à S à tourner. Je ne l'ai pas fini. Je ne l'ai pas fini. Mais je m'amuse bien sur ce jeu, j'y joue un petit quart d'heure de temps en temps, comme ça, j'avance tout doucement, je pense que je suis près de la fin. Et c'est amusant, notamment ce personnage ici, vous voyez la petite magicienne de 15 ans, Vérité, qui est la fille d'un des personnages principaux. Et c'est amusant, évidemment, je trouve qu'on n'a pas beaucoup d'action, on est quand même un petit peu trop spectateur
du scénario, qui est bon, hein, bien sûr, hein, c'est un bon scénario, les dialogues sont vraiment sympas, tranchants, plus rigolos et pas trop gamins. J'aime bien l'ambiance, j'aime bien les histoires qui sont racontées. C'est même assez, c'est bien foutu, quoi. C'est au niveau des enquêtes policières, je veux dire. C'est bien foutu, c'est intelligent. Et bon, ça manque un petit peu d'action, mais c'est quand même un excellent jeu que je conseille, un jeu rare, avec ses personnages charismatiques. C'est terminé. Je vous dis à bientôt. À bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous serez nombreux à l'aimer, tout simplement, à partager, liker si ça vous intéresse. Et je vous dis à plus. Et puis bon début de semaine à tout le monde. Allez, au revoir, à bientôt. C'était Fox. Une dernière vue, caméra au point. Ça, c'est du grand reportage. De mes trouvailles du week-end. On remonte, le Sonic, le Pokémon, le Dino Crisis. Et regardez, la star de mon week-end, Castlevania. Allez, au revoir, salut. Sarah, wait for me. I'm coming to save you.